Bonjour à tous. C'est encore un plaisir, un privilège de nous tenir ici dans la présence de Dieu. Donc je suis le pasteur Parfait Amalé. Je suis le pasteur de l'église de la maison de Cornet à Libreville et également le directeur national de la JADG, donc la jeunesse des assemblées de Dieu du Gabon. Le pasteur Félix me fait donc l'honneur d'apporter la parole dans son assemblée. Je remercie le Père, je remercie le Fils, je remercie le Saint-Esprit pour la grâce qu'il m'accorde. Apporter la parole de Dieu dans une église où un pasteur vous laisse sa chair, c'est une grâce. Je remercie donc le pasteur Félix et toute son équipe. Je prie le Seigneur qu'il vous bénisse, qu'il vous comble toutes ses grâces au nom puissant de Jésus. Ce matin, je voudrais apporter la parole sur un sujet particulier, ordre et manifestation de la puissance de Dieu dans l'appel. Ordre et manifestation de la puissance de Dieu dans l'appel. L'ordre peut être perçu comme une instruction. Lorsqu'on donne un ordre, il y a là une instruction. L'ordre peut être également vu comme une organisation. L'ordre fait donc référence à tout ce qui est conforme à la norme établie ou encore au respect des dispositions réglementaires en vigueur. L'ordre et ou le désordre peuvent avoir des conséquences d'un niveau de sévérité remarquable. Quand il y a désordre, la sévérité étant remarquable, pourrait être classée comme catastrophique. Lorsqu'il y a désordre, la sévérité étant remarquable, pourrait être classée comme catastrophique, dangereux, marginal ou négligeable. L'ordre vient de Dieu, car la Bible déclare dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 33, que notre Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Notre Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Le désordre est consécutif au péché d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Après qu'ils eurent été tentés par le diable, le père du désordre, ils ont commis le péché et là un désordre s'est établi. Aujourd'hui, il existe plusieurs types d'ordre. Le véritable ordre, c'est celui qui est conforme à la parole de Dieu. La parole de Dieu étant la norme par excellence. L'ordre qui n'est pas conforme à la parole de Dieu et à sa pratique n'est que désordre. Souvent, nous voulons apporter notre ordre à nous, oubliant l'ordre de Dieu. Mais la parole de Dieu nous enseigne que le véritable ordre, c'est l'ordre de Dieu. Tout ordre qui n'est pas conforme à l'ordre de Dieu n'est que désordre. L'ordre, selon Dieu, garde et maintient l'humanité en communion avec Dieu. Les hommes peuvent vivre et exercer la puissance de Dieu librement. Le désordre, quant à lui, sépare l'humanité de Dieu et le prive de toutes ses grâces. De ce fait, les hommes sont séparés et privés de la gloire de Dieu. Romains chapitre 3, verset 23. Cette séparation entraîne la mort sous toutes ses formes. Galates chapitre 5, verset 4. D'où la perte de la vie et l'impossibilité d'exercer les opérations de puissance pour le cas de l'Église. Lorsqu'il y a désordre dans l'Église, il est impossible d'exercer la puissance de Dieu. La puissance de Dieu ne peut s'exercer que dans un environnement où son ordre est établi. Je crois qu'à Bethel, l'ordre de Dieu est établi. Dans ce lieu, l'ordre de Dieu est établi. C'est pour cette raison que la puissance de Dieu va se manifester au milieu de nous ce matin. Est-ce qu'on est ensemble ce matin? Prenons le cas du modèle d'Adam et Ève, appelé et établi par Dieu dans une position privilégiée. Dieu, avant que Adam et Ève prennent le contrôle du jardin d'Éden, avant qu'ils n'aient reçu le souffle de Dieu, Dieu avait déjà préparé l'environnement. Il a dit « Créons l'homme à notre image ». Ça voudrait dire que Dieu, avant que l'homme ne soit créé, Dieu avait déjà conçu l'homme dans son esprit.
Dieu avait conçu et a préparé l'environnement dans lequel l'homme devait vivre. Au chapitre 3 de la Genèse, il y a une grande catastrophe qui va engendrer le désordre, qui va engendrer le chaos et amener l'humanité à être ce qu'elle est aujourd'hui. Il y avait dans le jardin d'Éden l'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de la vie éternelle. Le diable, le serpent ancien, étant le plus rusé des animaux, vint et parlait à la femme. Dieu vous a-t-il réellement interdit de manger de ce fruit? Les femmes aiment entendre des choses. Les femmes ne s'occupent pas de ce qu'elles voient. Elles sont toujours sensibles à ce qu'elles entendent. Vous serez capable de lui dire, je vous paye un voyage pour la lune, qu'elle serait capable de l'accepter. Mais je dis ce matin que les femmes de Bethel disent non à la parole du diable. Yeah, 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 yeah. Quelque chose se passe ce matin. Le Saint-Esprit est là ce matin. Et l'onction coule ce matin. Il y a une démonstration de la puissance de Dieu ce matin. Quelque chose se passe. Alléluia. Ève est-elle a dit en effet, Dieu nous a interdit de manger de ce fruit. Il nous a dit que si nous en mangeons, voici les conséquences, voici la mort qui va s'en suivre. Le serpent rusé qu'il était, avec une voix doucereuse, les femmes n'aiment pas les hommes qui sont brutaux, on dit comme ça. Elles aiment toujours ceux qui viennent avec douceur. Mais je te dis, le tentateur, le trompeur, l'accusateur ne viendra pas vers toi avec brutalité. Il viendra toujours avec douceur pour pouvoir te tromper. Mais ce matin, tu lui diras non. Non, mais Dieu s'est trompé. Il s'est trompé, il ne vous a pas dit la vérité. Il est jaloux. Il sait que quand vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. Vous serez semblable à lui. Dieu ne voudrait pas que vous soyez au même niveau que lui. Non, il est égoïste. Et beaucoup sont comme ça aujourd'hui. Ils passent leur temps à juger Dieu. À donner à Dieu une étiquette qui n'est pas celle de Dieu. Mon Dieu est Dieu. Son nom est Jésus-Christ de Nazareth. Il est le plus beau de la création. Il est le plus beau dans 2000. Il est l'aîné de la création. Son nom est Jésus-Christ de Nazareth. Ce que je ne le suis pas de moi-même, mais je le suis par la grâce de Jésus, par la grâce de Dieu, par la mort et la résurrection de Jésus-Christ à la croix de Golgotha. Yes! Ya, 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 ya! Et la femme en a mangé. Elle découvrit le goût de ce fruit. Mais elle ne reste pas ainsi. Elle invite son mari. Elle en donne à son mari. Et c'est ainsi que Adam et Ève, le couple Adam, découvrirent qu'ils étaient nus. Ils comprirent tout juste après que le diable les avait trompés. Aïe, aïe, aïe. Dieu, garde-moi ce matin. Garde l'église de Jésus-Christ ce matin. Que le diable ne trompe personne ce matin. Que le diable ne trompe personne ce matin. Qu'aucune femme ne soit trompée par le diable. Le désordre s'était établi. Et c'est ainsi que le désordre rentre dans l'humanité. L'homme a été déconnecté de Dieu. L'ordre que Dieu avait installé a été déstabilisé. Le désordre et le chaos ont pris place. Dès l'instant que le chaos a pris place, dans l'instant que le désordre a pris place, dans l'instant que la communion avec Dieu était coupée, l'homme a réfléchi. Il est naturellement créé à l'image de Dieu. Donc au-dedans de lui, ça bouge. Mais ça ne bouge plus selon l'ordre de Dieu. Ça bouge au-dedans de lui selon l'ordre de son nouveau mentor, l'ordre de son nouveau père, le diable, le trompeur. Il s'est caché. Il s'est fabriqué des vêtements faits de figuier. La vérité avait disparu en lui. Il ne connaissait plus la vérité. Il s'est mis dans une démarche lui permettant de créer sa vérité.
Il est sorti de la vérité de Dieu. Il s'est éloigné de la vérité de Dieu. Et il se met maintenant à créer sa vérité. La Bible nous enseigne dans le Nouveau Testament que la ceinture de la justice, la ceinture de la vérité, nous avons besoin de porter la ceinture de la vérité. La ceinture de la vérité n'est rien d'autre que ce qui s'appuie sur la parole de Dieu. La ceinture de la vérité n'est que la parole de Dieu. Notre Dieu est vérité. Il n'y a rien d'autre qui soit vérité autre que notre Dieu. Adam s'est fabriqué une feuille, une ceinture en feuille de figuier. Une fausse vérité. Une fausse vérité. Et nous sommes dans ce siècle où il y a de faux enseignements, des fausses vérités pour déstabiliser le monde. Puisque nous sommes dans le désordre, l'homme veut rétablir l'ordre de Dieu en mettant le faux. Mais je t'assure, l'homme ne pourra jamais rétablir la vérité, mettre de l'ordre par ses propres principes. Il s'est fabriqué une ceinture en feu de figuier. Mais je vous assure, cette ceinture n'a pas résisté, ni dans l'espace, ni dans le temps. Il n'y a rien que l'homme puisse faire qui puisse résister dans l'espace et dans le temps. La deuxième chose, c'est que l'homme s'est caché loin de la face de Dieu. Lorsqu'on se déconnecte de Dieu, lorsqu'on est dans le désordre, lorsqu'on se loigne de Dieu, lorsqu'on se loigne de l'environnement privilégié dans lequel Dieu nous a placés, lorsqu'on est en faux par rapport à Dieu, la chose qu'on fait en deuxième étape, c'est se cacher. Nous voyons dans la Genèse chapitre 3 verset 7, comment l'homme va mettre les ceintures en feu de figuier, et au chapitre 3 verset 10, comment l'homme va se cacher. Lorsque l'homme a semé le désordre, il sait qu'il a semé le désordre. Il sait qu'il a été le mécanisme, le vecteur par lequel le désordre s'est établi sur la terre. Il est conscient de cela. Il cherche des solutions pour pouvoir rétablir l'ordre en disant que quand Dieu reviendra le soir pour faire la visite, le tour du propriétaire, qu'il voit l'ordre. Mais Dieu est souverain. Les yeux de Dieu parcourent toute la terre. Il sonde les cœurs et les reins. Il voit toutes choses. Il voit ton cœur. Il voit mon cœur. Il sonde ton cœur. Il sonde mon cœur. Il voit toutes choses. Rien n'est caché devant la face de Dieu. Et ce jour-là, ce soir, Dieu parcourt le jardin. Il s'est rendu compte qu'il y a une déconnexion. Adam, Adam, où es-tu? Silence. Adam, Adam, où es-tu? Silence. La voix de Dieu est tellement bonne à entendre. La voix de Dieu est tellement bonne à écouter. Adam qui voulait se cacher dans son désordre avec sa ceinture en figuier qui ne tenait pas. Adam qui voulait se cacher de la face de Dieu à cause de ce qu'il avait occasionné. Adam ne pouvait pas résister à l'appel de Dieu ce jour-là. Il dit, Seigneur, Seigneur, me voici, je me suis caché. Mais pourquoi tu t'es caché? Aïe, 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 j'ai pris le fruit interdit, je l'ai mangé. C'est ainsi que j'ai découvert que je suis nu. J'ai essayé de mettre de l'ordre, mais je ne réussis pas. Ça me rappelle un tout petit peu nos enfants à la maison. Lorsque vous klaxonnez, pam, pam, souvent ils tardent à venir vous ouvrir le portail. Vous savez pourquoi ils tardent? Mais parce qu'ils sont des désordonnés, ils ont joué, ils ont tout gaspillé. Ils courent en train de remettre de l'ordre, ils prennent le balai, ils balayent. Papa arrive, faisons vite, il ne faut pas qu'ils découvrent le désordre. Cet esprit démontre que nous sommes véritablement les fils d'Adam et Ève, toujours en train de vouloir tromper. Nous voulons toujours corriger les choses avec nos principes à nous. Mais ton père a laissé un ordre. Respecte l'ordre de ton père. Ne fais pas les choses comme tu veux. Ne fais pas les choses selon ton ordre à toi. L'ordre de Dieu est l'ordre de Dieu. L'ordre de l'homme est l'ordre de l'homme. Dans le monde, les deux réflexes d'Adam et Ève marquent l'attitude de notre génération. Toujours envie de créer quelque chose pour faire un semblant de ce que Dieu a fait.
et se cacher. L'humanité est bien consciente de sa séparation d'avec Dieu suite au désordre qu'il a permis. Ceci conduit l'homme à chercher des solutions afin de rétablir l'ordre qu'il a perturbé. Malgré tous les efforts d'Adam, les feuilles de figuier n'ont pas pu résister au temps et à l'espace. De même, malgré les ordres de notre génération, nouvel ordre mondial, ordre de la Croix-Rouge, ordre de la Rose-Croix, ordre de la franc-maçonnerie et les organisations que nous connaissons, ONU, OMM, OUIA, WADA, CEMAC, UIA, créées par les hommes de notre génération, aucune solution n'y est parvenue dans le rétablissement de l'ordre initial, le désordre perdu. En d'autres termes, l'homme qui a été appelé par Dieu ne peut connaître l'établissement divin. Il ne peut donc exercer aucune puissance sur son environnement. Nous sommes là en train de créer de nouveaux ordres. L'attitude d'Adam n'a pas changé. Dès que l'homme crée le désordre, il veut rétablir l'ordre de Dieu. Les hommes ont mis de nouveaux ordres pour pouvoir rétablir ce que Dieu a mis en place. Mais tous ces nouveaux ordres ne permettront jamais à l'humanité de recouvrer sa position initiale. On a créé le nouvel ordre mondial. Mais je vais vous dire une chose, que le nouveau ordre mondial n'est pas l'ordre de Dieu. Le nouveau ordre mondial est l'ordre du diable. L'ordre du diable et n'est pas ordre de Dieu. Nous, nous voulons rester et demeurer dans l'ordre de Dieu. Parce que c'est dans l'ordre de Dieu, dans les dispositions de Dieu, dans l'organisation de Dieu, que nous pouvons atteindre nos objectifs. C'est ainsi que nous pouvons exercer la puissance dans notre appel. Ils ont mis de nouveaux ordres pour pouvoir combler le travail de Dieu. Dans leur nouvel ordre, les femmes devaient se marier avec les femmes. Et abomination. Des hommes devraient se marier avec les hommes. Dans leur nouvel ordre, ils ont introduit des programmes dans le programme scolaire indiquant que le sexe n'est pas physique, mais le sexe est dans l'esprit. Ça, c'est le nouvel ordre mondial. Mais nous ne sommes pas dans cet ordre. Nous, nous sommes dans l'ordre de Dieu. Est-ce qu'il y a un peuple de Dieu ce matin dans ce lieu? Nous sommes dans l'ordre de Dieu. Nous ne sommes pas dans le nouvel ordre mondial. Nous sommes dans l'ordre de Dieu, dans l'ordre que Dieu lui-même a établi par la puissance de Dieu, par le Saint-Esprit. Hey! Et nos enfants sont perturbés. Il y a un désordre dans le système scolaire, un désordre dans le système académique, un désordre dans le système universitaire. Parce qu'il y a des choses qui dérangent, des choses insoutenables, des choses qui ne peuvent pas amener l'homme à rentrer dans la vision divine. Il y a des choses qui sont là établies, qui ne peuvent pas amener l'homme à rentrer véritablement dans la présence de Dieu et vivre totalement dans son appel. Et ces choses commencent à menacer l'Église. Ces choses commencent à menacer l'Église. Il y a des lois qui sortent, que les hommes sont en train de mettre en place pour pouvoir créer le désordre dans l'Église, pour la déstabiliser. Mais je vais vous dire une chose. Il y a des siècles, des hommes se sont levés contre l'Église depuis des générations. Ils ont détruit la Bible. Ils ont tué des chrétiens. Ils ont brûlé des chrétiens. Des chrétiens ont été mis dans le bûcher. Je me rappelle l'apôtre Pierre qui a été crucifié, la tête en bas. Les Bibles ont été détruites, mais je vous assure, malgré tout cela, la Bible demeure, la parole de Dieu demeure, l'onction demeure, les enfants de Dieu demeurent, la puissance de Dieu demeure. Nous sommes là. Ce n'est ni la mort, ce n'est ni la mort ni la faim qui me sépareront de la mort de Jésus-Christ mon Sauveur. Ce n'est pas cette chose. Christ demeure, le Saint-Esprit demeure, la parole de Dieu demeure. Ils ont essayé, ils n'ont pas réussi. Ils ne réussiront pas. Amen. J'aime ta parole, Jésus. Ta parole est une lumière à mes pieds. Ta parole est un rocher. Ta parole est puissante. Une paix à double tranchant. Lorsque la puissance des ténèbres se lève contre moi, je résiste avec la parole de Dieu. Je mets en déroute le plan du diable. Je mets en déroute le programme du diable. Parce que l'ordre du diable ne m'amène pas dans le plan de Dieu. L'ordre du diable ne me fait pas rentrer dans mon appel. La seule chose qui me fait rentrer dans mon appel, c'est l'ordre de Dieu.
Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Ils ont mis les organisations. Je me souviens, je ne suis pas bon historien, mais vous pourriez m'aider certainement. Dans les années 40, après ou pendant la Seconde Guerre mondiale, je ne sais plus trop, ils ont mis en place la Société des Nations, c'est ça? C'est quoi, dit mon frère? C'est ça, n'est-ce pas? La Société des Nations. Mais qu'est-ce que cette organisation fait? Malgré la Société des Nations qui était là pour maintenir l'ordre de la paix, il y a toujours des guerres. La Société des Nations a échoué. Ils ont mis en place l'ONU. Malgré tout ça, les problèmes demeurent. Ils ont mis en place l'OMM, l'Organisation Mondiale de la Météorologie. Malgré tout ça, on n'a jamais réussi, on n'est pas parvenu à rétablir l'équilibre naturel. L'écosystème est perturbé. Malgré les prévisions météorologiques que les hommes font, ils ne sont pas parvenus à rétablir l'équilibre de l'écosystème. Tout est perturbé. On ne maîtrise plus rien. Parce qu'un homme, Adam, une femme, Ève, se sont liés au diable pour mettre le désordre et pour déstabiliser le concept de l'ordre que Dieu a établi. La nature est dans le désordre. L'air que nous respirons est pollué. Les molécules d'air, d'oxygène que nous respirons sont toutes polluées. C'est pour cette raison qu'il y a des maladies. C'est pour cette raison qu'il y a des cancers, des maladies incurables, des choses difficiles à expliquer. Malgré la mise en place de l'Organisation Mondiale de la Santé, on n'est pas parvenu à guérir tous ces maux. Les hommes souffrent, les hommes sont malades. À cause du désordre qu'Adam et Ève ont créé, la terre pollue des ronces et des épines. Et personne, malgré les grands séminaires, malgré les grands colloques, malgré les grands forums, aucun organisme n'a été capable de mettre en place un concept pour garantir l'ordre et la paix. Notre Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais notre Dieu est un Dieu de paix. Amen. Les maladies et les épidémies sont toujours présentes. Les guerres sont notre quotidien. Les conflits, les grèves, les crimes de toute nature, les détournements de deniers publics. Les hommes sont devenus des acrobates financiers. Des acrobates financiers. Il suffit que vous leur laissez un peu d'argent. Et quand vous arrivez, il n'y a plus rien. Il y a un déséquilibre financier. Il y a un déséquilibre à tous les niveaux. On ne maîtrise pas la bourse. Il y a un véritable désordre dans le comportement de l'homme, dans la vie de l'homme, dans la société, dans son environnement. Il y a un véritable déséquilibre. Mais je crois une chose. Je crois une chose. Je crois qu'il y a quelqu'un. Yeah. Je crois qu'il y a quelqu'un. Son nom commence par J. S. S. Jésus-Christ de Nazareth. Dans Jean 3, 16. Car Dieu a tant aimé les hommes qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La vie éternelle que Jésus apporte, c'est la vie qui rétablit l'équilibre. Donc l'Église ne devait pas vivre comme dans le monde. Le chrétien ne devait pas vivre comme les autres. Je n'ai pas besoin de les citer. Ils ont des noms un peu tristes. Je ne devais pas les citer. Mais je suis content de dire chrétien. Tu es chrétien. Tu es un petit Christ. Tu es un petit Dieu parce que tu as été créé à l'image de Dieu. Tu as quelque chose de particulier. Le monde ne l'a pas. Le monde t'observe. Il te regarde. Il te déteste parce que tu parles de Jésus. Mais en fait, il t'envie parce que le monde n'a pas ce que tu as. Tu as le Saint-Esprit. Est-ce que tu sais que l'Esprit de Dieu qui est en toi, c'est l'Esprit qui a participé à la création du monde. Les galaxies, la terre et tout ce qu'elle a ont été créés avec la collaboration parfaite du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit de Dieu est en toi. L'Esprit de Dieu est en toi. L'Esprit de la création est en toi. Je me réjouis parce que je suis un créateur, un petit créateur. Les autres sont des développeurs, ils développent, mais c'est plus difficile de créer que de développer. Nous avons l'esprit de la création, nous avons l'esprit de la création, l'onction de Dieu en nous, le Saint-Esprit de Dieu en nous, l'esprit de la création.
Nous sommes de vrais architectes. Nous ne sommes pas les autres architectes que vous connaissez. Vous me comprenez? Il y a d'autres architectes. Il y a un autre architecte. Mais nous, nous sommes les architectes à l'image de Jésus-Christ de Nazareth. En résumé, l'ordre selon l'homme ne permettra jamais à rétablir l'ordre selon Dieu et ramener l'homme dans sa position initiale, c'est-à-dire dans son éden. C'est l'ordre selon Dieu qui apportera la guérison des maux de l'humanité. C'est l'ordre selon Dieu. L'Église n'est pas en reste. La puissance a disparu. Les visions véritables ont également disparu. Ce n'est plus la même Église comparée à celle des apôtres, telle que mentionnée dans le livre des Actes des apôtres. Pourquoi la puissance a disparu? Pourquoi l'Église ne fait plus face réellement aux puissances des ténèbres? Pourquoi les chrétiens, pour certains, sont devenus très faibles et extrêmement faibles? Pourquoi certains pasteurs, pas nous ici, pas mon frère Félix, pas votre frère Parfait Amalé, d'autres sont dans le désordre, ils ne peuvent plus rien. L'Église est devenue faible. La puissance a disparu. Les visions ont disparu. Mais vous savez pourquoi? Parce que nous avons accepté le désordre dans l'Église. Et quand le désordre rentre dans l'Église, tu ne peux plus connaître et comprendre même l'appel de Dieu. Quand tu n'es pas dans l'appel de Dieu, tu es dans une forme de désordre. Tu vis dans le désordre. Tu fais les choses n'importe comment. Tu ne maîtrises plus rien. Tu ne comprends plus rien. Quand Dieu dit à gauche, toi tu vas à droite. Quand Dieu dit avance, toi tu recules. Parce que tu n'es plus dans l'environnement. Tu n'es plus dans l'Éden. Adam et Ève étaient des personnes privilégiées vivant leur appel dans le jardin d'Éden. Et à cause du péché, à cause du désordre, ils sont sortis de là. Mais je vais te dire une chose. Le désordre perturbe l'appel de Dieu. Si tu es désordonné, ce désordre va perturber ta relation avec Dieu. Le désordre va perturber ton appel. Le désordre va perturber ta vie. Le désordre va perturber ta communion avec Dieu. Le désordre va créer le désordre dans ton âme. Parce que tu es désordonné. Et Dieu n'aime pas les désordonnés. Dieu n'aime pas les désordonnés. Dieu veut avoir des hommes et des femmes ordonnés. Une église ordonnée. Une église qui parle. Quand Dieu parle, l'église entend. Qui prie la prière de Dieu. Qui ne prie pas n'importe comment. Qui apporte le message de Dieu. Qui ne prêche pas n'importe comment. Qui chante le chant de Dieu. Qui ne chante pas n'importe comment. Qui marche comme selon Dieu marche. Quand Adam et Ève ont péché, ils ont créé le désordre. Vous savez ce qui s'est passé? Ils ont été chassés du jardin d'Éden. Dieu n'accepte pas les désordonnés dans son environnement. Si tu es un désordonné, même quand tu es dans l'appel de Dieu, Dieu peut te mettre de côté et fermer la porte. Est-ce qu'il y a des jeunes qui m'entendent ce matin? Dieu n'aime pas les jeunes désordonnés. Dieu n'aime pas les hommes désordonnés. Dieu n'aime pas les femmes désordonnées. Si tu es désordonné, Dieu ne sera plus d'accord avec toi. Peu importe ton ordre à toi, ce n'est pas de l'ordre. L'ordre véritable, c'est l'ordre de Dieu. Et pour exercer la puissance de Dieu dans son appel, il faudra vivre dans l'ordre. Rester dans l'ordre de Dieu, pas dans ton ordre à toi, mais dans l'ordre de Dieu. Ce n'est plus la même église aujourd'hui. Ce n'est plus la même église aujourd'hui. La question, c'est de savoir pourquoi tout ceci. La réponse est claire. Puisque l'église est hors de son appel. Puisque l'église est hors de son appel. Dans Jacques, au chapitre 3, verset 6, on dit « Le zèle amer et l'esprit de dispute entraînent le désordre et les mauvaises actions. » Puisque tu n'es pas dans ton appel, tu es sorti de ton appel. Tu es rentré dans le désordre. Tu as maintenant un zèle amer. Au lieu de rester dans ton couloir, parce que tu es sorti de l'appel de Dieu, tu ne sais plus ton couloir. Tu es devenu désordonné. Tu vas envier le frère
Tu vas envier la sœur. Deux frères vont se bagarrer à cause d'une sœur. Deux frères vont se bagarrer à cause d'une. Deux sœurs vont se bagarrer à cause d'un. Vous connaissez ces choses, n'est-ce pas? Ça vous est arrivé un peu aussi, n'est-ce pas? Des frères qui demandent la main à 500 000 sœurs au même moment. Aujourd'hui, il y a une sœur. Mais parce qu'il est désordonné, il est dans le désordre. Il ne maîtrise pas son appel. Il est hors de son appel. Donc, il vit dans le désordre. Il y a des mauvaises actions. Il y a des choses mauvaises que sont dans l'église. L'église perd sa puissance. Un frère va demander la main à trois sœurs. Ma sœur, c'est Dieu qui m'a dit. Notre Dieu est juste. Notre Dieu, c'est un Dieu ordonné. Comment Dieu va te dire, c'est la sœur Fatoumata. Après, c'est la sœur Chantal. Après, c'est la sœur Azizé. Après, c'est la... Mais notre Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Le désordre amène les troubles. Alors que la Bible déclare que notre Dieu est un Dieu d'ordre, donc un Dieu de paix. Ce n'est pas un Dieu de désordre, c'est un Dieu de paix. Puisque tu es désordonné, mais tu vas amener des problèmes dans l'église, des incidents dans l'église. Le zèle amer. Tu es maintenant pasteur à la place du pasteur Félix Diaye. Tu es maintenant diacre à la place du diacre. Tu es maintenant ancien à la place de l'ancien. Tu veux maintenant prendre la place de la femme du pasteur. C'est du désordre. C'est du désordre. Mais Dieu n'agit pas dans le désordre. S'il y a du désordre, c'est parce que l'église n'est plus dans son appel. L'église est sortie dans sa place privilégiée. Il y a un responsable de jeunesse, tu veux être responsable de jeunesse. Il y a un responsable des hommes, tu veux être responsable des hommes. Tu te mets maintenant à la place du responsable. Un zèle amer. Un zèle amer. La dispute. Mais comment des frères sauvés par Jésus-Christ, lavés par le sang de l'agneau, participant tous à la même sainte scène, mangeant le pain, vont-ils se battre, vont-ils se mettre en conflit? Je ne comprends pas cela. Je me dis Dieu qu'il n'y ait pas ces choses ici. Gloire à Jésus. Mais je prie ce matin que ces choses n'arrivent pas ici. Nous sommes là pour prévenir. Notre message est aussi pour prévenir. Pour que ce genre de choses ne se reproduisent pas. Que ce genre de choses ne naissent pas. Et si nous les voyons, les anciens et les gars qui sont là, ils ont été établis pour mettre de l'ordre. En effet, il y a un véritable désordre dans l'église du 21e siècle. Et ce désordre éloigne l'église de Dieu. L'église devient séparée et privée de la puissance de Dieu. L'église est sortie de son appel. Aucune visibilité divine et donc aucun établissement divin. Il ne peut pas voir un établissement divin parce qu'on ne voit plus clair. Il y a comme un nuage opaque, comme un véritable brouillard. On ne voit plus. Tu es sorti de l'appel de Dieu parce que tu as créé les hommes. Les têtes ont été fermées. Tu ne vois plus. Tu marches maintenant comme une momie, avec les mains tendues. Tu as peur de heurter un obstacle. Hé, frère, attention, arrêtez-moi. Vous êtes jaloux, vous êtes contre moi. Je vais épouser telle sœur. Le pasteur te dit non, arrête. Non, pasteur, tu es jaloux. Ancien te dit arrête. Il dit non, mais tu es désordonné. Je ne vois plus clair. Parce que tu es sorti de l'appel de Dieu, tu es dans le désordre, tu deviens aveugle, il y a un corps opaque, un nuage opaque, tu ne peux plus faire la volonté de Dieu parce que tu ne vois rien, parce que tu es englouti dans un véritable désordre. Lorsqu'il y a désordre dans un espace, le travail est pénible parce que tu n'es pas ordonné. Même quand vous êtes étudiant, si votre table, le travail est désordonné, si vous êtes désordonné même dans vos prises de notes, c'est sûr, l'échec est assuré. Tu vas être tome 1, tome 2, tome 3, tome 4. Tu es un désordonné. On va t'appeler ancêtre. Tu es à la fac, tu es un ancêtre. Parce que tu es désordonné.
Dans l'église, tu es désordonné. Les autres arrivent, ils percent, ils percent, ils avancent. Toi, tu es toujours là en train de tourner en rond. En train de dire, il n'y a pas l'amour. Il n'y a pas l'amour dans cette église. Il n'y a pas l'amour dans cette église. Est-ce que toi, tu as l'amour? Alléluia! 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 Est-ce que toi, tu as l'amour? Est-ce que vous me permettez de continuer? Il n'y a aucune visibilité divine. Alors que cette église de Bethel, c'est une église qui marche dans la direction divine, dans l'établissement divin. Et toi, tu veux retarder l'église. Est-ce que tu sais qu'il n'y a pas de vie privée dans l'église? Toi, parce que tu parles de vie privée, tu bloques l'église, tu bloques l'église, tu freines l'église. Cette église est une église qui marche dans la direction divine. Et toi, tu es un radeau parce que tu es un désordonné. Tu es un radeau parce que tu es un aveugle. Tu es un radeau, tu n'avances pas. Le désordre est présent dans tous les domaines. À cause d'une mauvaise aile. Esprit de dispute. À cause de toutes ces mauvaises choses. On voit des mauvais comportements dans l'église. Dans les milieux des jeunes. Les jeunes filles, les jeunes garçons. J'en parle parce que je suis le premier jeune du Gabon. Mauvaise attitude. Le code vestimentaire hors des normes et pratiques recommandées par la parole de Dieu. Vous savez, il y a une façon de s'habiller maintenant. Notre façon de nous vêtir traduit même le désordre qui est en nous. Le désordre de notre environnement. Le désordre qui est en nous. Quelqu'un m'a dit, mais un frère, Dieu regarde au cœur. Il ne regarde pas aux apparences. Et j'ai répondu en disant, mais ce que tu fais là, ça vient d'où? Ça vient du cœur. Ça vient d'où? Le cœur. Aujourd'hui, c'est le nouveau style, le désordre vestimentaire. C'est dans le monde, mais ça veut rentrer à l'église. Vous n'allez pas faire ça, parce que le pasteur me dit, ah, il veille avec le Saint-Esprit. Les femmes avec le ventre de roi dans l'église, ça ne viendra pas ici. J'entends les gens dire, oh là là! Le ventre dehors. Parce qu'il y a des ordres dans ton esprit. Le code vestimentaire aussi est désordonné. Dites-moi les filles si je me trompe. Je peux continuer? Il y a un désordre vestimentaire. Mais je vais vous dire une chose les filles, les sœurs. Nous les pentecôtistes. On ne regarde pas les jeunes filles qui sont dans le désordre vestimentaire. Tu risques de te retrouver à 40 ans célibataire. Habille-toi convenablement. Regardez votre maman qui est là. C'est un exemple, c'est un modèle. Vous devez vous en inspirer. Vous devez vous en inspirer. Parce que quand tu t'habilles normalement, quand tu t'habilles correctement, tu es dans l'ordre de la parole de Dieu. Tu vas voir aussi un frère qui est dans l'ordre de Dieu, qui viendra vers toi. Mais quand tu es dans le désordre vestimentaire, c'est le frère ou la personne qui est dans le désordre aussi, qui viendra vers toi. Où sont les jeunes filles? Où sont les jeunes filles? Élevez un peu les doigts à la main, les jeunes filles. Alors, en ce moment, il va vous bastiller. C'est un désordonné, mais il va mettre le désordre dans le foyer. Il va te bastonner tous les matins, tous les soirs. Ce sera ton déjeuner, ce sera ton petit déjeuner, ce sera ton repas, ce sera ton café. Parce que tu es désordonné, tu es allé te joindre avec un désordonné. Et il va te battre tous les matins. Et dimanche matin, on ne te voit pas au culte, tu viens avec les grosses lunettes noires. On dit que c'est l'hostel, c'est des radars. Mais non, parce qu'elle a des bleus partout. Le désordonné là, lui a accordé une bonne correction. Qu'il n'en soit pas ainsi.
Elles sont tellement belles, les filles de Papa Ndiaye. Elles sont tellement charmantes. Et la main de Dieu est sur vous. Le désordre ne vous atteindra pas. Le désordre vestimentaire ne vous atteindra pas. Vous êtes charmante. La gloire de Dieu. Je prie que la gloire de Dieu vous inonde. Est-ce qu'il y a des jeunes filles dans cette salle? Qu'elles acclament le Seigneur de gloire. Alléluia! 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 Qu'elles acclament le Seigneur de gloire. Il n'y a pas que les jeunes filles. Le désordre est tellement présent, même chez les jeunes garçons. Le code vestimentaire des jeunes gens est devenu extrêmement désagréable. Je ne sais pas ce qu'ils veulent prouver, ce qu'ils veulent démontrer, mais le code vestimentaire de certains montre bien que dans leur cœur, il y a véritablement le désordre et la puissance de Dieu ne peut pas agir avec eux. Ils restent les mêmes. Un an de conversion, 2 ans, 3 ans, 4 ans, et ils tournent leur rang dans l'église. Aujourd'hui, il vous dit, j'ai un appel. Parce qu'il a raté à l'université à cause de son désordre. C'est pas faux ce que je dis. Il se fabrique un appel. Il est désordonné, il est fainéant, il n'aime pas travailler. Il se fabrique un appel. Il dit, Papa Ndiaye, j'ai un appel pour le ministère. Papa Ndiaye, viens. Là aussi, il est désordonné. Il est extrêmement désordonné. Aucune éthique, aucun code de vie. Et puis, ça tarde. Parce que l'homme de Dieu est là, il voit. Je me rappelle une histoire. Quelque part dans une église, un frère qui était très désordonné. Il se posait à l'autorité. Il fait n'importe quoi. Il crée des scandales. Il dira un jour qu'il a un appel pour le ministère et qu'il répond à l'appel. Mais c'est une bonne chose de répondre à l'appel du Seigneur. C'est une chose extraordinaire. Et ce jour, son témoignage était tellement connu de tous qu'on l'a mis debout devant tout le monde. Le pasteur a dit, c'est lui. Toute l'église s'est levée en disant, non, non, pas lui. Mais il avait réellement un appel pour le ministère. Il avait réellement un appel. Mais à cause du désordre. Le désordre t'empêche d'entrer dans ton appel. Le désordre t'empêche d'entrer dans ton appel. Il y a des personnes qui ferment la porte, il y a des chérubins qui sont là. Tu ne pourras pas rentrer dans les ténèbres parce que tu es un désordonné. Beaucoup s'opposent à l'autorité. Ils résistent donc à l'ordre que Dieu a établi. Romains 13, verset 2. Beaucoup s'opposent à l'autorité. Oubliant que toute autorité vient de Dieu. Ils s'opposent. Ils veulent faire ce qu'ils veulent faire. Ils ne veulent pas faire ce qui est demandé. Ils ne veulent pas faire ce qui est attendu. Mais ils veulent apporter leur ordre à eux. L'église est organisée. Les choses sont bien faites. Dieu a établi les hommes. Dieu a établi les ministères. Dieu a établi les personnes. Dieu a donné a communiqué les dons. Dieu a donné des orientations. Un ordre particulier pour la gestion de l'église. Et voici que d'autres qui viennent, ils veulent faire comme ils veulent. Ce n'est pas parce que tu es chef de ta famille que tu es chef de l'église. Tu es chef chez toi. Ce n'est pas parce que tu es chef de l'État que tu es chef de l'église. Tu es chef là-bas. Ce n'est pas parce que tu es roi là-bas que tu es roi à l'église. Tu es roi là-bas. Mais dans l'église, il y a l'ordre de Dieu. Et tous les hommes, toutes les femmes, doivent vivre dans l'église suivant l'ordre de Dieu. Tu es directeur général. C'est chez toi là-bas, dans ton entreprise. Tu n'amèneras pas ça dans l'église. Dans l'église, Dieu a établi un berger. Dieu a établi son ange. Dieu n'est pas fou. Dieu est Dieu. Dieu aime l'ordre. Dieu aime la paix. Il a établi Félix Ndiaye. Félix Ndiaye, c'est Félix Ndiaye. Toi, c'est toi. Moi, c'est moi. Quand je viens ici, je suis sous le couvert du pasteur Félix Ndiaye. Donc je respecte cette autorité-là. Je ne fais pas les choses n'importe comment. Je respecte l'orientation. Quand les frères du protocole me disent « Tu t'assois là », je m'assois là. Je ne vais pas ailleurs. Je respecte cela. Mais toi, tu dis à Satan-là, tu dis « Non, là, c'est pas bien, je vais me mettre là-bas. C'est du désordre. »
Dieu n'aime pas le désordre. Dieu a établi un homme. Dieu a établi un homme. Dieu a établi un homme. Il faudrait vivre selon l'ordre que Dieu a établi. Le désordre est partout. Les prédicateurs, certains sont devenus des désordonnés. Ils prêchent n'importe quoi. Ils conduisent l'église vers n'importe quoi. La Bible est claire que dans les derniers temps, il y aura des faux prophètes, des personnes qui enseigneront la fausse doctrine. Ils veulent faire des choses parce que Adam a trompé, a créé une fausse vérité. Ces hommes, quand ils perdent l'onction, ils veulent créer eux-mêmes leurs propres choses. Vous avez entendu parler de l'affaire haute onction. Ils prient, rien ne se passe. Pour eux, la puissance de Dieu se manifeste que quand les gens tombent. Pour moi, la puissance de Dieu ne se manifeste pas seulement quand les gens tombent. Quand les gens tombent, la puissance de Dieu, c'est ça. Mais ce n'est pas parce que les gens sont tombés que ça est synonyme de la puissance de Dieu. La puissance de Dieu agit également dans le silence. Dans le silence. Je suis convaincu, le Dieu de gloire que je sers me convainc que pendant que nous prêchons ici dans ce lieu, il y a manifestation de la puissance de Dieu. Mais quand il y a des ordres, il n'y a plus la manifestation de la puissance de Dieu. Qu'est-ce que les hommes font? Beaucoup de prédicateurs, ils vont inventer les choses à eux, leur ordre à eux, leur ordre de la puissance. Ils vont créer des eaux d'onction. Des bouteilles avec des eaux d'onction. Avant de prier pour quelqu'un, ils vont lui mettre ça, asperger cette eau et pour prier. Mais c'est du désordre. Ça montre que là, il n'y a pas la manifestation de la puissance de Dieu. Tu es hors de ton appel. Parce que quand tu es dans ton appel, tu fais les choses selon l'ordre de Dieu. Et tu ne forces rien. Ils sont en train de fabriquer des choses. Haute onction. À gauche, à droite, haute onction. Je n'en ai pas besoin. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. S'il y a possédé là, les démons vont partir. S'il y a maladie, s'il y a problème, problème va partir. Quand on est dans l'ordre de Dieu, la manifestation de la puissance de Dieu, elle est remarquable. La Bible déclare que voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ceux-là qui vivent, qui marchent dans l'ordre de Dieu, qui répondent à l'appel de Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ils marcheront sur les scorpions. S'ils boivent quelques breuvages mortels, cela ne leur fera aucun mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Hey! Quand tu es dans l'ordre de Dieu, tu rentres dans l'appel de Dieu et tu exerces la manifestation de la puissance de Dieu. Est-ce qu'on est ensemble ce matin? Je me souviens, jeune garçon, nous sommes allés faire un programme d'évangélisation. J'aime bien voir les jeunes gens qui sont saisis par l'Esprit de Dieu, qui sont poussés par l'Esprit de Dieu, qui sont agités par l'Esprit de Dieu. Vous ne devez pas être agité par un esprit de désordre. Vous avez besoin d'être agité par l'Esprit de Dieu. Vous avez besoin d'être agité par l'Esprit de Dieu. Et j'ai déclaré une parole quelque part. Je n'étais ni diacre, ni ancien, un jeune qui est agité par l'Esprit de Dieu. Le seul qu'un jour, mon pasteur a dit, hey, « Hé, toi, tu es en classe d'examen, je ne veux pas te voir à l'église, parce que tu fumes, tu sens, tu fumes, il avait un peu peur. » Et j'ai dit ceci, « Hé, vous m'amenez tous ceux qui sont malades. » Paralytique, tout ce que vous voulez, je vais prier au nom de Jésus, Dieu va guérir des malades. Quand tu es dans l'appel de Dieu, quand tu es dans l'appel de Dieu, ça veut dire que tu es dans l'ordre de Dieu. Tu es dans l'ordre de Dieu. Tu es dans l'organisation de Dieu. Tu es dans la vision de Dieu. Et ils ont amené les gens. Et j'ai prêché l'évangile ce jour. Nous avons prié pour les malades. Au dernier moment, il y a une sœur qui me dit, « Frère, il y a aussi celui-là. » Vous voyez, moi je regarde comme ça. On me dit à celui-là, donc il y a quelqu'un qui a, très petit, quelque part, un jeune garçon qui n'a jamais marché de sa vie. Mais j'ai proclamé la semaine dernière que les paralytiques, les infirmes et toutes ces personnes, Dieu les guérit au nom de Jésus.
Lorsqu'on m'a présenté cet enfant, c'est là que j'ai réalisé, waouh, mais qu'est-ce que j'avais déclaré? Ya, 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 ya. J'ai essayé de prendre du courage. Mais j'avais été prudent ce jour. La veille, ce jour, je rencontre l'épouse de notre pasteur, donc notre maman. Je lui dis, maman, mais nous avons campagne d'évangélisation de la jeunesse. Mais parce que je me rappelle ce que j'avais déclaré. Je dis, maman, tu viens avec nous. Et ce jour-là, elle ne résiste pas, elle vient. Mais je lui dis, écoute, tu ne seras pas avec nous, c'était en plein air, tu seras dans une pièce priée. Je suis comme un Jacob. Vous savez, l'une des forces de Jacob, c'est qu'il était très attaché à sa maman. Quand vous êtes très attaché à votre maman, il y a des choses que vous ne ratez pas. Parce que même quand papa veut taper, maman met le bouclier. Hallelujah! C'est un secret. Elle est là. J'ai vu le frère qui est à côté là. Il est content. Il reçoit des bénédictions de sa maman. Et elle est venue. Elle a fait comme on l'a demandé. Alors là, la peur s'est emparée. Mais subitement, quelque chose a créé le déclic en moi. Je crois que le frère Billy Tichimbi devait se rappeler de cette affaire. Nous sommes mis à chanter le Seigneur, l'heure de la victoire et de la vérité. Je ne sais pas si les jeunes le connaissent, c'est un cœur que nous chantons souvent. L'heure de la victoire, de la vérité, a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. L'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. Que Jésus soit loué. Dans la vérité. 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 Adorons. Dans la vérité. Exaltons. Pendant que nous chantons ce cœur, l'atmosphère avait changé. La densité de l'air avait changé. Vous étiez capable de poser une feuille comme ça, elle pouvait être suspendue dans l'atmosphère. Dieu avait pris le contrôle de toutes choses. Quand nous sommes dans le plan de Dieu, quand nous sommes dans l'appel de Dieu, quand nous sommes dans l'ordre des choses selon Dieu, quelque chose se passe. L'atmosphère avait changé. Et j'ai dit au frère qui était avec moi, quand vous êtes leader, n'ayez pas peur. Quand vous avez déclaré, allez foncer. J'ai pris la main gauche de cet homme, de cet enfant. Un autre frère prit la main droite. Un autre prit la main gauche, le pied droit. Et nous avons prié au nom de Jésus. Et en public, nous avons déclaré en public. Les choses que nous déclarons en public, nous les exécutons en public. Quand je défie le diable, comme Élie les a défiés en public, le résultat se fait aussi en public. Il y a des moments où la gloire de Dieu doit exploser. Nous devons créer les circonstances pour qu'il y ait encore plus de gloire, encore, encore et encore. Quand nous prions pour cet enfant, nous tous, nous vivions la même chose. Quand je dis au nom de Jésus, je rétablis l'ordre dans son corps, que sa mère trouve sa position initiale. C'est comme quand vous gonflez un ballon. Vous sentez comment la chair remplit son corps. Comment la chair remplit son corps. Je vis la même chose. Le frère qui est à côté de moi vit la même chose. Celui qui tient le pied vit la même chose. L'autre qui tient le pied vivait la même chose. Comment la chair, nous le touchons. Donc on pouvait vivre le miracle et au même moment, au même instant, toucher le miracle. La chair remonte, la chair remplit son corps. Cet enfant s'est mis debout devant tout le monde. Il a couru devant tout le monde et tout le monde a donné gloire à Jésus. Ce n'est pas du cinéma. Ça, c'est la manifestation de la puissance de Dieu dans l'appel. Lorsque tu es un homme ordonné, quand tu es dans l'appel de Dieu, il y a naturellement exercice d'opération de puissance. Tous les hommes dans l'église qui n'ont pas eu le privilège
Je ne dis pas que ça va tout se faire de façon physique. Hein. C'est même dans l'esprit, même en silence. Il y a manifestation de la puissance de Dieu. Quand tu n'as pas connu ça, pose-toi des questions. Alléluia. On peut continuer pour conclure rapidement parce qu'il s'est fait tard. Donc, on n'a pas besoin d'onction. Le Saint-Esprit en nous est capable de faire des choses. Quand le Saint-Esprit descend quelque part, il est déjà là avec nous, mais quand il se manifeste, il y a des choses qui se passent. La nature change, l'atmosphère change, il se passe de grandes choses. Quand nous sommes dans l'ordre de Dieu, la louange, on sort du désordre de la louange mondaine. On n'amène pas. Il y a des danses obscènes qu'on ne voit pas. On les amène. On danse à l'église, non? Même quand nous dansons, nous savons que nous sommes conduits par l'Esprit. Quand nous dansons pour le Seigneur, la gloire de Dieu éclate. Tout le monde sait que là, même dans ton cœur, tu sais que là, tu danses dans l'Esprit. Quand je vais chanter ce cantique, nous sommes une nouvelle génération appelée par Dieu. Quand nous chantons, quand nous disons que nous marchons dans la puissance, quand nous marchons dans la puissance, dans un environnement comme celui-là, le Saint-Esprit est là. Notre louange n'est pas une louange désordonnée. Notre louange est une louange ordonnée qui favorise la présence de Dieu, qui attire la présence de Dieu. Nous ne chantons pas n'importe quoi parce que nous sommes dans l'ordre de Dieu. Nous chantons des cantiques spirituels. La Bible déclare qu'entretenez-vous par des cantiques spirituels. Je n'ai pas dit qu'il faut forcément, comme nous, Assemblée de Dieu, prendre le chant de victoire ou le cœur de cantique. Je n'ai pas dit ça. Mais je dis simplement que nous devons chanter dans l'ordre de Dieu des cantiques spirituels. Alléluia. Rapidement, même nos mariages, la célébration des mariages, dans beaucoup, dans certains milieux, près d'une forme mondaine, un désordre mondain s'établit. Le non-respect des principes fondamentaux de la vie de l'Église véritable, le non-respect des aînés pour la simple bonne raison, est admis, parce que quelqu'un est admis dans un programme de formation biblique. Il pense qu'il est à la place du pasteur. Mais c'est ton pasteur qui te reconnaît. C'est ton pasteur qui te recommande. Parce que tu es un institut public. Parce que tu suis une formation de théologie. Tu as maintenant nargué ton pasteur. Tu as manqué de respect aux aînés. Parce que tu es ci, parce que tu es ça. Tu vas maintenant manquer de respect. Le dire que là, tu te permets de taper à l'épaule. Parce que tu es plus grand que lui. Parce que tu es 1m95. Parce que tu chantes bien. Parce qu'on t'a demandé de prier une fois. Parce qu'on t'a demandé de diriger l'étude biblique une fois. Maintenant, le diacre le tape à l'épaule. Tu dis, oh doc, doc. Oh doc, doc. Alors doc, comment tu vas? Le diacre qui a été établi par votre pasteur. Le pasteur qui a été établi par la main des anciens, par le Saint-Esprit de l'église. Pasteur Félix, même moi, je lui mène le tutoyer. Et toi, tu le tapes à l'épaule. Parce que vous deux, vous êtes pasteur. Tu n'es que jeune pasteur. Tu es au début de ton ministère. Non. Maman pasteur, tu te permets, parce qu'elle est gentille avec toi. Le désordre va nous priver des grâces de Dieu. Parce que quand tu es désordonné, les gens ont du mal à accéder à ton appel. Parce que tu es désordonné, les grâces de Dieu ne vont pas couler dans ta vie. Tu vas être bloqué. Partout où tu iras, tu seras bloqué. Parce que tu es un désordonné. Un chrétien n'est pas désordonné. Tu dois être ordonné. Tu dois être ordonné. Dis, je chasse le désordre dans mon cœur. Je refuse d'être désordonné. Une église désordonnée ne prospère pas. Une église désordonnée n'avance pas. Une église désordonnée n'entre pas dans son appel. Une église désordonnée vit hors de son appel. Les gens qui sont désordonnés n'entrent pas dans leur appel. Beaucoup étant désordonnés, même étant pasteurs, puisqu'ils sont désordonnés, ils ont un ministère faible. Est-ce qu'on est ensemble ce matin? Et même dans ton ménage, si tu es une jeune fille désordonnée, ton foyer aura des problèmes.
Tu auras du mal à rentrer dans l'appel de Dieu. Ton ménage, ton foyer aura du mal à entrer dans l'appel de Dieu, à entrer dans la destinée de Dieu. Ton Père, ton Dieu, t'a préparé une grande destinée. Ton Dieu, ton Père, a préparé pour toi de grands projets, de projets de paix et de bonheur qui nécessitent que tu sois une personne ordonnée. Mais tu es désordonné. Tu n'entreras pas dans ton appel. Et même quand tu es, tu es appelé, ton appel ne sera pas un appel efficace. Tu ne peux pas être établi de façon divine dans ton appel. Tu auras toujours un appel au sol, mais tu ne seras jamais établi de façon divine pour opérer et effectuer des choses avec Dieu. Tu ne réussiras pas. Vu que beaucoup s'opposent à l'autorité, ils résistent donc à l'ordre que Dieu a établi. Romains 13, verset 2. L'Église vit hors de son appel, ce qui conduit au désordre. Il est impossible qu'il y ait établissement divin. Impossible qu'il y ait un établissement divin. Le désordre permet aux puissances des ténèbres d'agir librement dans l'Église. Lorsqu'il y a désordre dans l'Église, il n'est plus possible de se comprendre et d'être en communion avec Dieu. Pendant ce temps, le diable agit et l'Église perd sa puissance. Quand il y a le désordre, mauvaise pensée, mauvaise attitude, mauvais comportement, les hommes, les chrétiens sont en train de se bagarrer entre eux. Ils vivent dans le désordre. Il y a le tohu-bohu, il y a un désordre, un brouillage spirituel. Vous savez ce qui se passe pendant ce temps? Le diable prend le contrôle de votre environnement. C'est le diable qui règne. Et l'Église perd en puissance. Quand il y a le désordre, Christ ne règne pas. C'est le diable qui règne. Et même quand Dieu parle, parce que vous êtes dans le désordre, vous n'entendez pas la voix de Dieu. Vous ne saisissez pas la voix de Dieu. Vous ne percevez pas la vision de Dieu. Vous ne comprenez pas l'appel de Dieu. Vous ne comprenez rien de Dieu. Et en ce moment, c'est le diable qui a pris le contrôle. Je dis non au diable. Le diable ne prendra pas le contrôle de notre assemblée. Bethel est l'église du Seigneur. Ces chrétiens sont les enfants de Dieu. Cette église appartient à Jésus-Christ. Et le diable ne pourvaudra pas contre elle. Il ne fera rien. Même quand il attaquera, l'église résistera. L'église reste ferme. Parce que l'église a mis sa confiance en Jésus-Christ. Et rentre dans ton appel. Et reste-y. Accepte l'ordre de Dieu. Alors tu connaîtras l'établissement divin. Et par effet induit, favoriser la manifestation des opérations de puissance telles que démontrées par la parole de Dieu dans le livre des Actes des Apôtres. Rentre dans ton appel. Ne reste pas hors de ton appel. Sors du désordre. Sors du chaos. Tu ne réussiras pas. Si dans ta vie, il est arrivé que tu poses des actes qui ont occasionné le désordre, qui ont occasionné le chaos. Dieu du haut des cieux, dans Jean 3, 16, a envoyé Jésus-Christ pour que tu ne périsses pas, pour que tu ne rates pas ta destinée, pour que tu ne rates pas ton appel. Jésus a été mis à la croix de Golgotha. Alléluia. Il a vu le chaos qu'il y a sur la terre. Jésus a vu le chaos qui est dans l'église. Jésus a vu des hommes de Dieu, des femmes de Dieu, des jeunes, des enfants de Dieu dans le chaos. Dieu les appelle pour un ministère excellent. Dieu les appelle pour faire des choses excellentes. Mais à cause du désordre, ils ne sont pas parvenus à rentrer véritablement dans leur appel. Ainsi, ils sont faibles. Mais Jésus dit, je t'ordonne d'être puissant. C'est ainsi que Jésus a accepté de venir sur la terre. Il a accepté de mourir à la croix de Golgotha. La Bible dit dans Ésaïe 53, qui a cru à ce qui a été annoncé, qui a vu le bras puissant de l'Éternel. Il s'est levé comme une feuille plante, comme un rejetant qui sort d'une terre desséchée et aride. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Cependant, Oyabakatoko Bakar Sakara, c'est par sa meurtrissure que nous sommes guéris.
C'est par sa meurtrissure que nous avons la paix. C'est par sa meurtrissure que l'ordre est rétabli. Quand Jésus-Christ est mort à Golgotha, il a crié, tout est accompli. Il a crié, il a porté une parole puissante. Le désordre a reculé. Le Saint-Esprit de Dieu est descendu dans l'église et les hommes de toutes les générations, les hommes de tout âge, femmes comme garçons, il a dit, je répandrai de mon esprit sur toute chair, sur mes serviteurs, sur mes servantes. Je répandrai de mon esprit. Oh, les jeunes gens auront des visions, les vieillards auront des songes. Quand l'onction de Dieu arrive, quand l'onction de Dieu coule, l'ordre est établi. Les hommes faibles se relèvent, les hommes peureux se relèvent, les faibles rendent leur appel et ils exercent un ministère puissant. Parce qu'il rentre véritablement dans l'appel de Dieu. Rentre dans ton appel. Rentre dans l'appel de Dieu ce matin. Rentre dans l'appel de Dieu ce matin.